Emmanuel Macron a refusé de condamner fermement le soutien du Rwanda de Paul Kagame aux milices sanguinaires du M23 qui sèment le chaos et la mort dans la région du Kivu. Enfin, il a été très maladroit au moment de commenter une erreur diplomatique magistrale de Jean-Yves Le Drian qui avait évoqué il y a quelques années avec mépris le compromis à l'africaine, provoquant une vague d'indignation chez les dirigeants du continent. L'Union européenne, si prompte à brandir les mécanismes de sanctions, continue de refuser à agir fermement contre le Rwanda. Alors que des élections sont prévues en décembre prochain à Kinshasa, il est urgent que la France et l'Union européenne ne soient pas rayées de la carte de la République démocratique du Congo. Il est urgent, avec cet État, comme avec les autres États africains, de reprendre un vrai dialogue en tenant compte de l'intérêt de chacun.